Le TVB est maintenant condamné à l'exploit pour le match retour à Odin-Sovo dans une semaine. Pour accrocher une finale à 4 en Coupe d'Europe CEV, les coéquipiers de Loïc de Kergret devront non seulement gagner, mais terrasser la franchise moscovite 3-0 ou 3-1. L'affaire n'est donc pas engagée au mieux, mais quitte à déplacer des montagnes russes, autant le faire au match retour, sans calcul et sans complexe. On n'a pas fait un coup spécialement ce soir. Justement, je pense qu'on aurait pu en faire un et on l'a loupé. Et maintenant, il va falloir faire un coup là-bas, mais je pense que c'est vraiment jouable. Ils sont grands, ils tapent fort, mais bon, on peut les embêter. Le TVB a certes donné du fil à retordre à la formation d'Odin-Sovo, mais s'est aussi mis en difficulté tout seul par trop d'imprécisions. Les volleyeurs tourangeaux cèdent les premiers et troisièmes sets 23-25, remportent les manches 2 et 4, 25-19 et 25-18, avant de s'effondrer dans le tie-break. Une défaite finale à 8 à 15. On a manqué beaucoup de constance dans l'organisation offensive. On n'a pas été suffisamment stable en réception. Non, pour que les passeurs puissent poser le jeu. Et même quand on était stable en réception, il y a eu quelques erreurs de fait sur le plan stratégique. On a malgré tout réussi à se battre longtemps pour arriver à ce 3-7 à 2 grâce à une grosse combativité, mais c'est insuffisant face à une équipe pareille. Le jeu typé, stéréotypé et bien en place des Russes est donc venu à bout d'un jeu plus enlevé des Tourangeaux, mais irrégulier. Pour autant, ce résultat ne remet pas en cause la progression du TVB, leader dominateur du championnat de France et qui entend bien le rester pour les 8 derniers matchs. Là, il faut que rapidement les joueurs se projettent plutôt sur la rencontre à Montpellier, qui est une rencontre face à une équipe difficile. Montpellier a besoin de points pour espérer encore se qualifier en play-off. Nous, il faudra absolument qu'on marque 3 points pour essayer de garder l'avance qu'on a vis-à-vis de 7. Et puis, on aura largement le temps après de se reconcentrer sur notre jeu pour préparer ce match particulier de retour contre Odin-Sovo. L'Europe reste un bonus, la première place du championnat régulier, l'objectif premier. Cela assurerait au TVB une place en Coupe d'Europe, en Coupe CEV, avant d'aller briguer un titre national et une qualification en Ligue des Champions.